Shrek? Shrek? Pardon, t'as pas vu Shrek? Non. Tu vois qui c'est? Oui, oui. Ouais, tu as pas vu? Non. Non, c'est pas grave. Ciao, Valentin. Excuse-moi. Tu as vu Shrek, un ogre vert, environ cette taille? Non. Bon, merci. Shrek! Au revoir. Ouais, quitte pas, ouais. T'as pas vu Shrek? Shrek, le grand maraquet vert, ouais. Non, désolé. Bah oui, mais bon. Ah, tu le sais? Ah, parce qu'il est pas sur le plateau? Non, non. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais je sais pas. Ah ouais? Bah Shrek! Shrek! À tout à l'heure! À tout à l'heure. Hey, Georges Clooney! Oh! On t'attend là, depuis 2 heures, là, pour le doublage de ton film. Eh oui, alors. C'est là-bas. Il est pas possible, lui. Ok, je suis prêt, Shrek. Pendant 2 ans où on attend Shrek et films, on est en pause. On est comme ça. On est en truc vert qui clignote. Il y a des fois où j'aimerais redevenir un ogre, un vrai, rien qu'une journée. Shrek est lassé de sa vie de couple. Il en a marre de ce petit ronron quotidien avec les enfants, etc., tout ça. Et il rêve d'une vie d'avant. Imagine Shrek être craint, détesté. Tu fais ton heureux, les villageois font. Oh non, laisse-moi, vilain Shrek, pitié, je tremble. Comme dans les grandes années Shrek. Et il va rencontrer ce nain tracassin qui va lui offrir cette possibilité de revivre pendant une journée ce moment-là. Mais le deal est tout pourri, en fait. D'accord, et le loup, il est où? Un loup? Non, pas de loup, pas dans ton loup, non, enfin, presque rien, 3x4, un tout petit rien. Ah ouais, d'accord, je vois le genre. Et donc, tu veux quoi? Un jour. Un jour? Bonne journée. Bienvenue dans un autre fort fort lointain. Oh non. Ah ouais, d'accord. Hé, hey, j'ai pas signé pour ça. Mes enfants m'ont dit que je lui ressemble beaucoup, par exemple. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis d'une hygiène irréprochable, je fais attention. Mais je comprends bien ce personnage, ouais. Je trouve très émouvant, en fait. J'ai jamais vu ta face de ma vie. C'est moi, Shrek. Au secours, je me fais rafter par un ogre hystérique. L'amour de sa vie ne peut pas l'encadrer. Fiona, que je suis content de te retrouver. Où vous l'avez ramassé, ce gugu? J'adore tes oreilles. Oui, hein. Mmh. Ouais, je les adore aussi. Oh ouais. Et moi, je ferai Shrek, alors? Essaye, ouais. Et tu fais Fiona? D'accord. Ouais, ouais, je fais toujours ça, je bosse mes 1-2 triceps, Hulk, avant de partir à l'attaque pour opérer une OP. Tu te sers pas de celle-là? Non, c'est avec ça qu'on lave les toilettes. Ah. Et c'est avec ça qu'on lave ce avec quoi on lave les toilettes. Oui, je savais. Mmh. Eh ben, tu vois quand tu veux. Comment c'était, Shrek? C'était comme ça. Voilà. Ouais. C'était comme ça. Il faut arriver à ça. Alors, allons à ça, c'est parti. On va aller à ça. Ouais, ça marche, ok. Tu n'as rien à faire ici, Seigneur. J'adore le chat. Poté. C'est le beau gosse de la saga, exactement. Ouais, ouais. Moins là, mais là, on est dans. Voilà. On est dans le 4. Il a morflé, le chat. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Il s'est laissé aller sur les croquettes. Et c'était pas des croquettes light. Découvrez le dernier chapitre. Chapelle ! Et envolez-vous pour la plus shrekienne des aventures. Ils sont allés au-delà de la découverte des personnages qu'on avait dans le 1, mais ils ont réussi à les faire durer sur 4 épisodes, à leur faire avoir un parcours, et on les retrouve avec plaisir. Et puis au bout du compte, ça reste un conte de fées pour les filles. Bah ouais. DreamWorks présente Shrek, il était une fin en 3D. Hé, Lan, tu peux me prêter ta langue? Quoi tu dis? Non. Tu peux dilater la pupille, mon pote, même pas en rêve. Mais oh, d'accord.